Mais là, le quad, les routes, on a failli avoir un accident, et là, difficulté du quad sur 5, 4,5 quand même. Oh putain. Ça va. Parce qu'on est lourd en fait. On est deux gros en plus nous, on n'est pas des petites brindilles nous. Oh putain. Attention, ça va bouger. C'est quoi cette plante? C'est Grevillea. 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 C'est la même famille des mimosas. Je sais pas si vous voyez, bon je les mets un peu sales les gars, mais il y a du miel qui sort. Là Même à la nuit, je vois pas. Ah, vous voyez pas? Bah c'est du miel. Et tu manges là? Ouais, franchement. Ouais. C'est sucré, très sucré. Tu veux goûter? Ouais. Goûte, attends. Ok. Goûte. Du miel. C'est bon ça. C'est très bon. Ok. Je me régale. Oui, c'est bon. Hein. J'aurais jamais cru me régaler en mangeant d'une fleur. Oh, c'est bon. Hein. Non, c'est bon, je me suis régalée. Oui, c'est bien sucré et tout. Par contre, tes cheveux, c'est une cata. Hein. Attends. Quel est l'état de ses cheveux? Parce qu'en fait, le casque du quad, il m'a fait faire n'importe quoi. Sportif, hein, le quad. Ah, c'est sportif, ah, ouais, hein, c'est cool, hein, moi j'aime bien. Hein. C'est chaud, hein. Tu veux conduire un peu? Non. Donc les gars, juste à côté, c'est la côte est. Et c'est vrai qu'en vidéo sur les vlogs sur Madagascar, on voyait beaucoup de lagons bleus. À chaque fois, on se dit, mais où ça se trouve? Alors nous, devant notre île, c'est très très beau. Mais en fait, là où il y a le lagon bleu qui est immense, en fait, c'est la côte est. C'est vraiment la côte est. On pensait pas ça et c'est vraiment magnifique. Il y a une espèce de bleu ciel, bleu clair, c'est juste incroyable. Magnifique. Il y a même 600 km à l'est de l'île. Ah, ah, l'île de la Réunion est 600 km. 600 km. Oui, 2 heures de vol, voilà. 2 heures de vol, ok. Ah. Ah. Coucou la Réunion. La Réunion, elle est là. La Réunion, elle est là. Bon, allez, on prend la route. Mangrove apparemment, c'est un lac, non? C'est un lac je crois, ouais. Donc là on traverse le lac, le Mangrove, qui est sur l'île Sainte-Marie. On est arrivé. Après ce périple, c'était un vrai périple, hein. Pour arriver dans l'Est, c'est pas évident les gars. Les gars, là on est arrivé là où on va déjeuner, où on va prendre la pirogue, on pourra aussi se baigner. C'est une petite pause quad. Ça s'appelle Presqu'île d'Ampani. Le restaurant ici s'appelle Mangrove Gourmand, le nom du restaurant ici. D'accord. Après, on prend la pirogue, on traverse par le canal de Mangrove pour aller là-bas. D'accord. La plage. Donc les gars, ce matin on était ici. Notre hôtel il se trouve ici. On a remonté tout ça. Travers. On est passé à l'intérieur. Et là, on se trouve ici, à Angliafi. Anafiafi. Anafiafi, ok. Voilà, et là, on va prendre une petite pirogue qui nous a amené sur la presqu'île. Ah, la forêt. Encore, sur l'île, il y a une presqu'île. Ouais. Et sur la presqu'île, il y a une presqu'île. Après, on peut déjeuner, on va prendre le quad. D'accord. On continue. Puis on va aller voir un peu, il y a une grosse vague ici. D'accord, cool. Oui, point de vue. Après, on reprend le quad. Une cascade. Continue. À travers là, cascade, c'est bien ici. Et là, on rentre on à l'hôtel. Okay. Ok, cool. Et après, on redescend. Ah, c'est une grande boucle, hein. Ah, c'est ouais, une grande boucle. C'est vraiment sympa, hein.
C'est réalisé par l'hôtel Princesse Bora, mais c'est vraiment sympa. Alors après, c'est en plus forcément des activités. Oui, oui. On a payé en plus l'activité. On vous dira tout quoi qu'il arrive tous les prix de, des activités qu'on a fait. Mais Augustin est un très bon guide. Ouais. Donc super. Polka, polka ça. Ya. Manza. Tu parles malagachi? Je parle malagachi. Oui. Oui. D'accord. Il faut suivre le chef de la pirogue. Je trompe. Allez, c'est parti. Ça, c'est la cannelle? Oui, oui. Ça sent la cannelle ou pas? Ah ouais, grave. Ils sont forts? Ah oui. Je peux manger? Non. Non, toi, ah, je peux manger. Toi, soit tu veux toucher, soit tu veux manger. Ça laisse pour sentir. Bah, ça sentait plus fort tout à l'heure avec non, le bâton. Non, sans celle-ci. Ah oui, ça sent fort, hein. C'est ça? Bon, bah... Fais attention, chérie, avec ton gros poids. Hein. Ah oui, retourne. Il va casser la pirogue là. Non? Non, c'est bon. Madame, c'est devant. Ça avance devant? C'est stylé, hein? C'est là, cool? Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon, là? C'est bon. De l'autre sens, l'autre sens. De l'autre sens, chérie. Voilà. Là, ça monte. Oh merde! J'ai du mal à m'asseoir. Il y a au milieu, hein? Il y a là, là. C'est bon? C'est bon. T'es à l'aise? Ça va, je suis à l'aise. Comme ça, c'est bon? Voilà. Moi, je suis douce, moi. Moi, j'y vais tout. Oh! Et là, je fais quoi, messieurs? Restez là. Là? Ah. Toi. Tu vas me gâcher avec ton gros dos, là. Ah non, c'est pas vite, là. J'arrive, c'est toujours pour moi. Bon, les gars, on est en immersion sur une pirogue. On est avec Nadjo. C'est ça, Nadjo, et on est avec Augustin qui est derrière. Tout se passe bien. On est en immersion sur une petite barque en bois. Une petite barque en bois, franchement ça se fait, hein, c'est cool, c'est sympa. Franchement, ça, la journée elle est incroyable. Moi les gars, je kiffe de ouf. Ouais. Je pensais qu'on était en Amazonie, mais non, on est à Madagascar. Trop cool. Trop cool. Trop beau chérie. C'est beau hein. Ouais. Vraiment je suis hyper content d'être là, franchement. Ouais. Genre là, Madagascar c'est que. On fait que step up là. En fait en fond c'est la vase. Les vasés, là. Ah ouais c'est pas très profond. Et c'est comme ça jusqu'au bout? Hein? C'est comme ça jusqu'au bout, c'est pas profond? Non non non, au bord comme ça, à peu près un mètre. Au milieu, 2-3 mètres, ça dépend de la marée. D'accord. Si on trouve les crabes des mangroves, des poissons, des crevettes et des indiens. Des crevettes. Tu nous fais avancer? Je pense que tu nous aides là. Je nous aide là. Je nous aide. Bon, on pose nos affaires à l'ombre et on va se baigner. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, on peut jouer par là. Y a-t-il besoin de mots? Un mot? Non, pas besoin de mots. Donc, on est sur la petite presqu'île de la petite île de l'île de Madagascar. Donc, Madagascar, c'est la grande île. Sainte-Marie, c'est la petite île à côté. Et là, on est sur la presqu'île de Sainte-Marie. J'espère que je me suis fait comprendre. Et voilà où on va se baigner. T'as fait pipi? J'ai fait pipi, merci de le dire aux gens. Les gars, c'est, je sais pas, j'ai pas les mots, trop d'émotions, c'est... C'est beau, hein? C'est un endroit à faire une demande en mariage, vraiment. Donc bisous. Je me contente d'un bisou. Voilà, bisous. Ça me va. Faut aller se baigner, donc moi je vais me baigner. Moi aussi. On est seul au monde, on est avec le guide. Bon, pas totalement seul. Non. Regardez déjà là, on s'est baigné dans l'eau bleue. Tu kiffes? Wouh bah. Qui ne kifferait pas? Genre on a une plage paradisiaque pour nous tout seul. Y'a personne? Ouais, y'a personne. Y'a personne. C'est incroyable. Incroyable. Oh,
Les gars, c'est juste magnifique. Ouais. Bon, pour venir là où on est, les gars, faut le vouloir. Ah, par contre, faut le vouloir. Il y a un petit chemin. Alors, faut arriver à l'aéroport de Tanarif. Après, à Tanarif, faut prendre une voiture qui t'amène à Saint... non, qui t'amène... à Tamatave. À Tamatave. T'as deux jours de route. Après. Après, t'as un bateau. Le bateau, il t'amène sur la presqu'île de Madagascar. Qui est Sainte-Marie. Sainte-Marie. Après. Après, à Sainte-Marie. Tu prends un tuk-tuk. Tu prends un tuk-tuk qui t'amène à l'hôtel. L'hôtel, tu prends un quad. Le quad, après, il t'amène sur la presqu'île de la presqu'île. Tu prends une pirogue. Tu prends une pirogue. Et maintenant. Non, tu marches. Tu marches 15 minutes. 15 minutes. Et là, tu es là. Alors franchement, je vous mets au défi, les gars, de venir ici. S'il y en a un d'entre vous qui vient ici, tu gagnes quelque chose. Non, franchement, bravo à celui qui vient ici et ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup de ouf. C'est juste... Regardez, je suis dans l'eau. 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 Elle a fait ses petites photos sur Insta. Hein, moi je suis là, je profite. Je suis avec vous les gars. Force à toutes les personnes qui travaillent. Je le dis sincèrement. Force à vous tous. Elle est froide ? Oui, oui. Elle est froide ! Il me l'a pas dit ! Elle est froide, il me l'a pas dit ! Elle est froide ! Oh putain ! Oh ben moi je vais pas me rincer, même si c'est bon. Non, ça va, elle est bonne. Elle est bonne. Ah, c'est de l'eau douce ? Ça fait du bien ? Ouais, elle est un peu verte l'eau. Hein. Elle est pas verte, c'est de l'eau douce. Ah, ça fait du bien, merci. Hein. Ah, ça fait vraiment du bien les gars. J'ai froid du coup maintenant. Eh bah, ben, super hein. Oh, naturel. Là c'est naturel là, en plus là. Ouais ouais. Mais ah, c'est archi bon. Ça a quoi, quel goût? De coco? Bah c'est de la coco. Ça, c'est de l'eau de coco? Ouais. Mais c'est archi bon. En fait, c'est un peu sucré et tout, c'est parfait. Je vous montre un petit peu, regardez. C'est la coco. Archi bon. Voilà, un poulet coco. Poulet coco. Avec la coco d'ici. C'est bon ? Est-ce que c'est bon, le poulet aussi ? Regardez notre vue. Voilà notre vue avec notre petit repas. Mon poulet coco là. Ça m'a l'air incroyable. Poulet coco qu'on fasse au malgache. C'est calme. Ah, Elorie qui arrive. Ah oui, j'ai amené du riz. Merci beaucoup. C'est pas trop dur. Là, c'est des poulets gas. C'est des poulets qui font des courses. Ah. C'est pas pour les desserts. Ah. C'est des poulets qui vivent ici, quoi. Okay. Ouais. Ouais, c'est super bon. Super bon. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon appétit. Merci. Vous avez la Il y a des petites fleurs sous le riz. Tahiti. Non, c'est Madagascar. Madagascar. Les gars, on est reparti. Après le repas, direction l'Amazonie. On est reparti du resto, on fait la petite boucle quoi. C'est ça, on continue à faire le tour de l'île en quad. C'est parti, là j'avoue, attention il y a un truc. Regarde. Nous sommes dans le restaurant de l'hôtel du Princesse Bora. Le restaurant est hyper cosy comme on aime. C'est magnifique ici. On adore venir manger ici ce soir. C'est trop beau, c'est super bon, je sais pas ce qu'on mange.
Donc après rentrer, on a pris une petite douche, tout ça, et voilà. Maintenant c'est le soir, après cette grosse journée. Sinon les gars, on voulait vous parler de Sama Africa. Donc là vous voyez, on profite d'un putain de restaurant, d'un magnifique hôtel. Il y a vraiment, il s'occupe de tout, c'est une agence de voyage qui s'occupe de tout et qui est spécialisée pour les voyages en Afrique. Ils font vraiment du voyage sur mesure. Vous leur demandez, nous on a besoin de ça, et vous voyez ça vraiment, mais à point, vraiment à point. Donc contactez Rebecca, je vous mets son numéro de téléphone juste là pour les personnes qui veulent voyager en Afrique, que ce soit pour la fin d'année 2022 ou pour 2023, vous allez kiffer votre voyage comme nous on a kiffé. Vraiment c'est juste incroyable, c'est juste encore des paysages incroyables qu'on découvre. Donc merci Sam Africa, je vous mettrai toutes les informations en description de la vidéo, donc n'hésitez pas, contactez-la, elle va vous répondre direct. Une petite lumière, c'est une petite lumière de conclusion. Bon les gars, on espère que vous avez passé un bon moment à regarder cette vidéo. Halloween. On vous fait de très très gros bisous. Passez une bonne journée ou une bonne soirée pour ceux qui regardent. On vous fait de très très gros bisous. Turn up. Peace out.